Frère Maxime Yo, dans le Seigneur, membre de la parole de Dieu, bonjour. Matin, nous content, nous dit bon Dieu merci. Pour grâce que lui accorde nous, lui permettre nous voir encore premier jour dans la semaine là. Nous dit toute gloire, c'est pour bon Dieu. Nous saluons tous frères et sœurs nous yo, et tous les amis qui attendent nous. Sous quel que soit réseau, nous saluons. Nous souhaitons bonne journée avec Jésus. C'est comme d'habitude, leçon école Sabano qui rentre matin en bien bonheur pour nous capables d'étudier ensemble. Sixième leçon qui titre Jésus, le sacrificateur fidèle. Je veux pécheur sauvé par grâce. Exalter Jésus en ce jour, de son sang libre l'efficace, chanter son ineffable amour, sur la croix Christ a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Le prince ne paie pas son corps, en cet instant pour me bénir, et dans mon âme à lui l'aurore. Le beau jour qui ne peut finir, sur la croix Christ a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Amen. N'a récité juste avant nous prier. Verset à mémoriser nous. Que nous joignons. Dans Hébreux 7, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Notre Père, notre Dieu, une autre fois encore, nous bénissons, nous exaltons, parce que nous t'es plongé dans le profond sommeil de la mort ou ressuscité nous à la vie, c'est une grâce. Matin encore, nous avons continué avec étude parole ou parole qui baille la vie de grâce. Nous avons demandé aux assistants. Formez-nous davantage. Bénis-nous. Accordez-nous paix et grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Frère Maxime, sixième leçon titrée Jésus, le sacrificateur fidèle. Et jeudi, qui c'est dimanche 30 janvier, titre leçon, c'est un sacrificateur en faveur des êtres humains. Un sacrificateur en faveur des êtres humains. Eh bien, lorsque nous lisons dans Hébreux 5, roi sacrificateur là, c'était offrir des sacrifices en faveur du peuple là. C'était servir un médiateur entre bon Dieu et les pécheurs. C'était aider le peuple là dans le travail, ou du moins dans l'offrande que tu as choisi présenter dans le sanctuaire là, pour mon Dieu. Eh bien, sacrificateur là, il était établi par mon Dieu pour être capable de faire un travail efficace, un travail extraordinaire, un travail en faveur des êtres humains. Mais, malgré ça, sacrificateur là, il était doué offrir des sacrifices aussi pour péché. Pas bien dans le sanctuaire là. Avant que le sacrificateur là t'ait offert, il offrant un sacrifice à l'Éternel pour une personne, ou du moins pour tout peuple là, lui-même tout,
li ta dwe ofri sakrifis pou pou tèt pale. Sakrifikatèr sa, li te dwe yon etre mizerikodye, e li te supose kapab kompran febles moun yo, febles humen yo. Donk, sakrifikatèr la, li te gen pil rol pou te kapab jwe. Men, malgré tout, sakrifikatèr yo, yo pa te sufi pou yo te kapab akompli tache sa. Et c'est ça qui fait nous parler de Jésus. Il c'est le souverain sacrificateur, le sacrificateur fidèle. Pour qu'il y ait une grande différence qui établit entre le sacrificateur humain avec Jésus. Ou pas loin? Jésus, lui joue un rôle très parfait. Jésus comprend nous parce que lui-même tout, lui t'a souffri. Li vini, li soufri pou nou sur la croix. Li pote tout iniquité nou yo. Jésus, li pa pran parmi les hommes. Se pa nan mi tan l'homme ki yo te pran Jésus pou yo te vin metel kom sacrificateur, pou yo te etablil kom sacrificateur. Mais au contraire, Jésus li adopte nature humaine lan afin que li kapab vin ofri li li kapab vin servi comme sacrificateur en notre faveur. Jésus li pat ofri sacrifice pou péché li parce que li pat chanm péché. Et Jésus, frères et sœurs, li te prié pour que mon Dieu te kapab sauvel de mort sa. Père, s'il possible, éloigne coupe sa de moi. Mais prière Jésus t'a exaucé. Parce que Jésus ressuscité parmi les morts vivants. Et li chita dans le ciel là. C'est ça que bay mwen ansanm avec espoir, je ne veux dire. Hébreu fait référence à second mort. Parce que nous tous qui en Christ qui mourit, nous gen pour nous ressusciter. Parce que Christ li ressuscité parmi les morts. Et bien, frères et sœurs, Jésus li mené yon vie d'obéissance. C'est pas parce que Jésus t'a besoin obéir, parce que Jésus pas jamais désobéi, mais pour Jésus, l'obéissance ça c'est une nouvelle chose parce que Jésus c'est lui nous supposé obéir. Donc c'est pas lui qui doit obéir, mais pour le capable venir sauver nous. Li vinn fèl yon être pour obéir, pour souffrir, pour capable vienne souverain sacrificateur de l'univers. Tout le monde a choisi obéir, mais Jésus, lui vienne obéir à papa. Souffrance avec le mort Jésus sur la croix, yo c'est partie qui essentiel le ministère sacré Jésus. Souffrance, c'est pas yo perfectionner Jésus. Soit sur le plan moral ou du moins sur le plan éthique. Mais souffrance, c'est pas yo non plus tout qui rend Jésus miséricordieux. Mais Jésus vini sous la terre parce que lui c'est un Dieu miséricordieux. C'est ça qui fait de compassion pour moi même avec vous journée aujourd'hui hein. Li même qui pas de chambre péché, mais li te accepté, souffri, mouri, humilié pour péché, vraiment ensemble avec ou péché l'humanité. C'est ça que monte l'homme fraternel que Jésus gagne pour nous. Li accepté vin faire frère, vin faire frère pour capable sauver nous. Li accepté vin frotter avec nous. Li accepté vin souffrir avec nous. Li accepté vini dans le monde imparfait pour le capable vin offrir li comme grand sacrificateur nous. C'était vie d'obéissance li. Et c'est l'amour li à cause de l'amour li qui constituait offrande sacrificielle que Jésus lui présentait devant papa. Donc longtemps, il t'a supposé offrir un petit mouton. Un petit mouton
pour capable pardonner péché lui. Mais Jésus, il vient offrir propre corps en sacrifice pour moi-même avec vous. Donc Jésus, c'est sacrificateur, nous tous frères et sœurs. Moi-même avec vous, devons nous, en nous accepter. Sacrifice ça que Jésus t'a offert pour nous sur la croix, lorsque nous acceptons pour nous obéir à parole. Que mon Dieu bénisse nous. Bonne journée avec Jésus sur nos yeux la nuit.